Ça y est, l'évacuation est terminée. Viens nous aider, vite! Faut qu'on se dépêche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être le groupe électrogène. Chut! Nous avons besoin d'aide!
êtes-vous? Heidri, grenadier 13e division Panzer. Lâchez-le! Reste tranquille! Qu'est-ce que vous foutez là? On est tombé dans une embuscade. Une embuscade? Il est un peu tard pour les questions, à mon avis. Lâche ton arme. Toi aussi, gamin. Baissez vos armes! Je suis vraiment désolé. Mais on vient de nous mettre en garde contre une tentative d'infiltration des forces ennemies. Dans ce cas, il fallait pas nous ouvrir du tout. Pas vrai. Retourne au poste de surveillance. Alors expliquez-moi ce qui vous est arrivé. Une embuscade. Les Américains. C'est arrivé à combien de kilomètres? Embuscade. 3 ou 4 kilomètres. Pourtant, je pensais que la ligne de front se trouvait à 30 kilomètres au moins. C'est également ce qu'on croyait. Va savoir ce que les Ricains sont venus foutre dans cette foutue forêt. Ils seront bientôt devant. Vous en êtes sûr? C'est possible. T'as combien d'hommes avec toi? J'en ai seulement un. Tu veux parler, Tychos? La division a été appelée en renfort. Ils ont même dû embarquer nos réserves. Tu veux dire que toutes les bases ont été vidées? Il n'y a plus de réservistes? J'en ai bien peur. Si tu contactais l'état-major pour savoir... Par ici! Attendez! Lévi, réfléchissez-vous! Stop, cessez le feu! J'ai dit stop! Courez! Allez, des petits mots! Où est le reste de la division? Tu veux un dessin, Heidrich? Heidrich, qui est avec vous? Hébert et Baumann, lieutenant! Ça suffit! Stop! Cessez le feu! C'est vous qui êtes de garde. C'est exact. Soldat Myers, lieutenant. Baumann. Avez-vous contacté l'état-major? Oui, lieutenant. Les renforts sont arrivés beaucoup trop tard. Dieu du ciel. Vous avez une sale tête. Je suppose que vous avez d'autres armes? Oui, au bout du couloir à gauche, il y a une deuxième mitrailleuse légère. Mais pas d'homme pour l'utiliser. On verra ça. Je vais toujours essayer de rappeler la base. Au moindre mouvement suspect, tirez sans hésiter. À vos ordres. On dirait que le vent tourne. Attends, laisse-moi jeter un œil. Hé, oh! Contente-toi de dorloter celui-là. Vous étiez nombreux, les Ricains? J'en ai aucune idée. En tout cas, il y en avait un paquet.
J'ai vu deux ou trois tireurs embusqués, plus des mitrailleuses cachées près de la voie. T'es bien loin du compte. Mais si on s'était pas séparés, on les aurait vaincus et empêchés d'avancer jusqu'ici. Ils nous auraient massacrés, tu veux dire. Enfin, ils étaient que 10 ou 12 hommes, tout au plus. Dieu seul sait sur combien on aurait pu tomber par la suite. T'es en train de me dire que t'en as vu d'autres? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce que t'en sais, alors? Tu me casses les couilles, Schenk. On a dû battre en retraite. Je t'assure que j'ai vu personne d'autre. On s'en est sorti comment, à ton avis? Alors, je suis curieux de savoir qui a vu le reste de ces connards. Qui? C'est l'éclaireur de Krupp qui les a vus. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ce petit con me tape sur les nerfs. On applique les consignes d'état de siège. Groupé, établis des tours de garde. On fait 3 heures d'affilée. L'entrée du tunnel est derrière cette porte. À quoi il sert? À rien, il n'y a que des rats. Je voulais parler de sa fonction. Stockage de munitions, je crois. Ils n'ont jamais fini de le creuser. Pourquoi? J'en sais rien. Sûrement à cause des éboulements. Ça devenait trop dangereux. Vous l'avez visité? De façon superficielle. Moi, j'ai vu une autre entrée de l'extérieur. Sur le versant opposé de la butte. Tu penses qu'il peut y rester des armes? Comment je pourrais le savoir? J'y ai à peine mis les pieds. C'est dangereux. Je vais y jeter un œil. Non. Pour quelle raison? Nous avons des consignes à respecter. Mais enfin, nous devons rester postés ici jusqu'à nouvel ordre. Vous oubliez le tour de garde. Protégez cette porte, sergent. À vos ordres. Laisse-moi aller y faire un tour. T'as entendu ce que le lieutenant vient de dire? Ouais. Nous avons déjà perdu la moitié de notre compagnie aujourd'hui. Voilà pourquoi on doit rester solidaires. Compris, Tadral? Chercher un truc à manger. Merci. Au fait, qu'est-ce que tu sais à propos du vieux? C'est dingue, il ne devrait pas être là dans son état. Aucun de nous n'est à sa place. Ouais. Ce que Schenke a fait tout à l'heure, ça dépasse les bornes. Il faut toujours qu'il prouve quelque chose. J'ai entendu des rumeurs ces derniers temps. Il paraît qu'il a postulé chez les SS et qu'il l'ont refusé. Pas assez pur, sans doute. Il est à deux doigts de péter les plombs la plupart du temps. Un jour, il nous fera tous buter. Ça fait longtemps qu'on sait à quoi s'en tenir avec lui. Je dois t'avouer que j'étais mort de trouille là-bas. Si c'était à refaire, j'agirais comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais filé tant que je pouvais en me disant chacun pour soi. Ils sont pas crevés à faire un truc aussi chiadé pour ne pas s'en servir. Bien, j'ai dit tout ce que je savais, désolé. Je vous sers? Et moi, je t'ai déjà dit que je voulais rien. Je suis persuadé que tu nous caches des choses. Schenk, tu devrais te détendre. Comme si j'étais le seul à m'intéresser à ce tunnel. Assez perdu de temps avec ça. Nous avons déjà suffisamment à faire. Merci. À propos... D'où vient cette cicatrice? Ah, c'est un vieux souvenir, 1917. Un fragment de but. Je sais ce qui s'est passé dans ce tunnel.
Continue. Ce n'est rien de plus qu'une rumeur. Il paraît qu'il y a eu une sorte de rébellion au sein des ouvriers. C'est pour ça que le lieutenant a été obligé d'arrêter les travaux. D'accord, je vais tout vous expliquer. Ne venez pas me traiter de menteur ensuite. Je suis impatient de t'entendre. Le lieutenant a condamné ce tunnel pour une raison étrange. Ces gars avaient la trouille. Tout le monde avait la trouille là-dessous. Je crois que les vieilles légendes des habitants du Patelin n'ont pas dû arranger les choses. De quoi voulez-vous parler ? Eh bien, pas mal de gens des environs se méfient de cet endroit à cause d'histoires pas très rassurantes. Ça, il le sait. Quoi, cet endroit est hanté ? J'avais dit que vous ne me croiriez pas. Mais vous n'êtes jamais entré dans ce tunnel. Il y fait très noir. Riez, allez-y. Vous croyez que les légendes traversent les siècles sans aucune raison. N'oubliez pas, les mots que vous allez entendre sont anciens. Ils sont plus vieux que l'Allemagne. C'est ici qu'on venait brûler les sorcières. Depuis toujours, on pense que cet endroit est maudit. C'était à l'époque de la peste noire. À l'époque où ce fléau décimait notre continent tout entier. Les villageois se croyaient en sécurité du fait que leur patelin était isolé. Mais aucun d'eux n'allait en réchapper. La maladie a commencé à se répandre dans la région aussi vite qu'une traînée de poudre. Un jour, un inconnu arriva au village. Certains pensaient que c'était un prêtre. Seulement si c'était le cas, c'était un prêtre maléfique au service de l'enfer. Ou peut-être même, s'agissait-il de la mort en personne. Il est parvenu à se faire détester de tous les habitants du village. Les vieux amis transformés en ennemis. Les gens sont si crédules. Il leur a fait croire qu'il se débarrasserait de la peste une bonne fois pour toutes. Il pouvait leur demander tout ce qu'il voulait. Une nuit cauchemardesque. Il a réussi à déclencher une violente colère au sein des villageois. C'est comme ça qu'à la tête d'une foule enragée, il a fait chasser les personnes malades et contaminées de leur maison. Elles ont été poursuivies jusque dans cette forêt, où on les a bastonnées comme des animaux. Et ce n'est qu'après être tombées au sol, sous les coups, qu'on les a achevées. Frappées. Piétiné, déchiqueté. Quand ils ont eu fini, des morceaux de corps empoisonnés furent empilés puis jetés dans un trou béant pour l'éternité. Beaucoup de malades étaient encore en vie quand ils furent ensevelis. Ça ne va pas ? Fais pas, grand-père. Ça a toujours été une petite nature. En tout cas, si c'est la meilleure histoire que t'aies en stock, tu devrais écouter celle-ci.
Aidez-moi. Aidez-moi. Merde. Dites-moi ce qui se passe. Je ne trouve ni Myrus, ni Kreuzmann. Qui monte la garde? Frank Heidrich et moi. Ils devaient nous relever. Ils n'ont pas disparu tout de même. Il ne faut pas être une lumière pour deviner qu'ils sont descendus. Debout! Levez-vous! Allez! Allez, remplacez la garde. Qui sont dans le tunnel? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Ils ont déserté. C'est un peu trop tôt pour les accuser. Mais ils font quoi, d'après vous, hein? Ils cherchent une issue. Je veux qu'on me les ramène. Entendu. Merde, prenez Heidrich avec vous. Non, je vais y aller. Heidrich est blessé. À moins, bien sûr, que vous ne craigniez que je ne remonte jamais. C'est une infection ici. Il n'y a pas de système d'aération. C'est du nitrate qui dégouline sur les murs. Ça prouve que c'est du travail bâclé. Je vais par là. Quoi? On ne sait pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as la trouille dans le noir ou quoi? T'as raison, ça ira plus vite si on ne sait pas. Bowman. Je crois qu'on ne les retrouvera jamais.
Tiens, regarde ça. Je l'ai trouvé dans le sas avant de venir vous réveiller. C'est à Crossman. Si Krupp découvrait ça, il enverrait Schenke à ses trousses. Tu piches, pourquoi il faut rien dire? Tu peux avoir confiance en moi. Je sais, oui. Rejoins-moi ici dans 10 petites minutes. Je t'écoute. Je l'ai pas mal observé et ça fait presque un mois qu'il y descend. Et pour y faire quoi? Ça, j'en sais absolument rien. En tout cas, il revient vite en général. Il lui faut un peu de calme pour se retrouver. Il perd un peu la tête, vous savez. Ça alors, j'en doute. Quoi qu'il en soit, il a dû montrer une sortie à Crossman. Je suis persuadé du contraire. Pourquoi? Je ne vois pas Myrus accepter qu'un inconnu l'accompagne. En ce qui me concerne, je n'ai jamais pu entrer dans le tunnel. C'est comme s'il appartenait à ce type. Son histoire de fantôme, c'était pour nous tenir à distance. La voilà l'explication. Peut-être bien. Et puis, il agit parfois, tout le temps en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il agit souvent comme s'il avait la trouille que je comprenne ce qu'il cache au bout du couloir. Comment ça? Crossman?
vous foutez là? C'est ma torche. Elle vient de s'éteindre. Oui, Bert. J'en sais rien, je pouvais plus bouger. Mais elle venait de me lâcher. Je suppose que vous n'avez trouvé aucune trace de Crossman? C'est bien trop vaste, il peut être n'importe où. Et puis il y a des choses plus importantes dont on devrait s'inquiéter. Quelles choses? Les Américains. Quoi, dans le tunnel? C'est possible, lieutenant. Ils ont très bien pu entrer de l'autre côté. Vous en avez croisé? Non, mais j'ai entendu des bruits bizarres. On s'arrête! C'est ça, vos Américains? C'est bon. Je veux savoir où est Crossman. Je sais que vous êtes descendus tous les deux. Donne ma parole que je suis pas venu avec lui. Ça suffit maintenant. Je veux que vous me disiez la vérité. Je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Silence! C'est des rafales. Le bunker est attaqué. Reste là. Surveille les tunnels. Putain, il y en avait partout! Ils étaient là! Il y a une minute! Concentre-toi! C'est fini! Il n'y a rien du tout dehors! Tout ça pour tirer sur des ombres. Le soldat inexistant, c'était bien réel. Pas un n'a été touché, mais regardez dehors, il n'y a pas un cadavre. Que ce soit le môme qui les ait manqués, je peux le comprendre, mais vous, Schenke, vous les auriez fumés par dizaines. Franck aussi a vu quelque chose, lieutenant. Ils ne seraient pas deux à avoir imaginé ça. Ils jouent avec nos nerfs, ils veulent savoir s'il nous reste les munitions. Vous mêlez pas de ça, Bowman. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? On doit avoir un peu de recharge pour les fusils et quelques grenades. Il en reste un peu pour le canon. On n'a plus de canon, imbécile! Plus de liaison. Le téléphone n'est pas relié par câble aérien. Il doit sûrement y avoir des lignes souterraines qui passent dans les tunnels. Et vous savez ce que ça veut dire? Je vois. Mais supposons que des Américains s'y trouvent déjà. On n'aura qu'à protéger tout l'édifice, pas se contenter du bunker. S'ils sont là-dessous, ils n'y resteront pas longtemps. Et comment on les sort de là? En mettant les mains dans le sang s'il le faut, Aldrich. Mais réfléchissez, enfin. Ils ne doivent pas être bien nombreux, sinon ils nous seraient déjà tombés sur le rable. Ils ont eu Crossman et Hébert, vous croyez? Qu'ils aient déserté ou été tués, nous devons les oublier. La sensibilité te perdra. Écoute-moi bien, espèce de trouillard. On t'a chargé de les retrouver, mais tu as préféré rester planqué dans le noir et attendre qu'on vienne te chercher. Si tu veux qu'on s'affronte, Schenke, il va falloir essayer autre chose. Quand vas-tu enfin réaliser que ma vision de la guerre n'a rien à voir avec la tienne? Ça, je le sais déjà. Nous devons empêcher l'ennemi d'investir le tunnel. Vous qui connaissez la configuration des couloirs, y a-t-il un endroit qui soit plus propice à l'ennemi pour nous tendre un piège? Un piège? Le tunnel est en lui-même. Écoutez pas, qu'est-ce qu'il en sait? Quoi qu'il y ait là-dessous, on en viendra à bout. Très bien. Si les Américains pénètrent dans le tunnel, ça ne peut être que par l'autre entrée que nous devons protéger. Si jamais ils sont trop nombreux, mettez-vous à l'abri. Mes ordres ne concernent que le bunker. Ça risque d'être intéressant.
Est-ce que c'est pour les empêcher d'entrer ou nous de sortir? On peut dire que tu piges vite, toi. Laissez-moi venir dans le tunnel avec les autres. Non. Je vous en prie. Assez discuté. Toi, tu restes ici pour assurer mes arrières. Jusque-là, t'as pas fait une faute. Tu as l'âme d'un vainqueur. À toi de jouer, petit. Fais bien gaffe au grand-père. Oui, monsieur. Au niveau de la porte arrière. Je voudrais faire équipe avec vous, mon lieutenant. T'as fini de failloter? N'oublie pas, Schenke. On fait deux signaux lumineux pour se reconnaître. On y va. N'essaie pas de le contrôler. Essayez de contrôler un fou. Pourquoi tu laisses cette espèce de bâtard se foutre de ta gueule? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi t'essaierais pas de lui expliquer ce qui s'est vraiment passé durant l'embuscade? Pourquoi ça? Des fois, j'ai l'impression que tu fais tout pour te faire détester. Tu n'es pas à ton poste. À quoi bon? De toute façon, on ne voit jamais rien dehors. On nous a confié la garde. C'est une lourde responsabilité. On reconnaît que c'est à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation. On était tranquille ici avant qu'ils débarquent. Si les Américains attaquent, qu'ils se démerdent. J'en ai assez fait. J'ai vu mes compagnons se faire tuer il y a 25 ans déjà. Écoute. Il est trop tard pour jeter l'éponge. Nous devons faire notre tour de garde et les avertir d'une éventuelle attaque. Mais le danger ne vient pas du dehors. Il est dans ce tunnel. De quoi tu veux parler? C'est Verna qui me l'a dit. Verna? Verna, mon fils. Ton fils est mort. Il est mort en Normandie, tu te souviens? Je te fiche de ma gueule, hein? C'est ça. Mais puisque je te dis qu'il vient souvent me parler... Tu racontes des conneries! Tu divagues encore. Regarde-moi. Regarde-moi. Ton fils est mort au front. Vous pensez tous que je suis malade. Que je suis qu'un vieux taré. Mais il se passe des phénomènes plus qu'étranges dans ce tunnel. Tu peux y voir un tas de choses. Des choses très concrètes. C'est vrai. Verna m'apparaît là-bas. Tout à l'heure, c'était bien différent. Quand il est venu pour me parler, je t'assure, ils étaient plusieurs avec lui. Caisse avec des obus. Sans intérêt pour nous. Assez perdu de temps. On va laisser ça à l'ennemi? On viendra s'en occuper.
Couvrez-moi. Les portes sont scellées. Il n'y a personne qui est entré par là. J'entends du bruit de l'autre côté. Tant que c'est de l'autre côté. Apparemment, il y a un autre passage que cette porte. La ventilation, il y a sûrement un conduit quelque part. On devrait attendre les autres, vous m'entendez? Ils ont probablement déjà dû se rendre. Et moi, je suis persuadé qu'il n'y a que nous dans ce tunnel. Shelby! C'est Eber. Derek, il a été transpercé. Il est mort. Seigneur. Sans l'ombre d'un doute. Sûrement une issue. C'est pas là pour rien. T'as raison. Allez jeter un œil. Je couvre vos arrières. Je vois pas ce qui a pu défoncer ça. Dieu. Les cadavres des bestiférés. L'histoire de Maïrus. Tu crois que c'est pour ça qu'ils tombent par rond? C'est pas possible. Pas après ton année. On est foutus sinon. Il suffit qu'une puce nous pique. Et on est infecté. C'est Grossman! Mais viens! Non! Lucas! Non! 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 Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Il est choqué. Il est mort! Ils sont ici! Les morts sont là! Ils sont partout! Il y a plein de sang partout! C'est pas lui qui... Ils m'ont dit qu'ils l'avaient abattu! Ils l'ont... Qui est-ce qu'ils ont abattu? Ils l'ont abattu! De qui tu parles? Ils l'ont abattu! Tu parles d'Engels? Ressaisis-toi, on est là. Allez, on va s'occuper de toi.
Dépêche, sortons d'ici. Il s'amuse à nous déstabiliser. C'est trop tard, maintenant espérons que ça les occupera, allons-y! L'ennemi est ici, nous devons l'attendre! Dans ce cas, je me battrai tout seul! Vous devez obéir à votre supérieur! Maintenant, on fait quoi? Avant toute chose, il faut qu'on le remonte. T'es complètement fou, arrête! Quoi qu'il se soit passé là-dessous, c'est terminé! Je t'en prie! On peut rien faire, on peut pas. Oh, Didio, on serait pas là si vous m'aviez écouté. N'y va pas! D'accord, t'as gagné. Va te faire tuer si ça te chante. Il est têtu comme une mule. Dis-moi ce qui se passe. J'ai tout fait pour les en empêcher, mais personne n'a voulu me croire. Du coup, Oh, mon Dieu. Ah!
Calme-toi, ça va passer. Personne ne peut te voir. On a entendu tirer. Je suis là pour donner un coup de main. T'as abandonné le poste de surveillance? L'orage nous empêche de voir dehors. La présence de Myrus est suffisante. J'ai cru que je serais bien plus à ma place, ici, à vos côtés. Tu veux nous filer un coup de main? Est-ce que tu es prêt à tout faire pour ça? Oui. Prêt à endosser toutes les responsabilités qu'implique le fait de revêtir cet uniforme? Oui, je le suis. Tu devras faire ce que je demande sans aucune question. Est-ce que c'est clair? Ils sont entrés, les ennemis. Ils s'amusent à nous faire devenir tous cinglés et à nous éliminer les uns après les autres. Ils ont buté le lieutenant. Quant aux autres, ils n'ont pas dû s'en tirer. Tout dépend de nous. Jamais on ne laissera l'ennemi s'emparer de nos réserves. Tiens, bois. Où est-ce qu'on se trouve, d'après vous? Dieu seul le sait. Peut-être qu'ils ont gazé les tunnels. Je suis persuadé que c'est ce qui nous donne ces hallucinations. C'est la seule explication rationnelle. C'est bien leur genre. Où sont passés les autres? Il y a eu des coups de feu et puis tout s'est arrêté. Il est possible qu'ils se soient déjà rendus. Eh bien, dans ce cas, il doit y avoir un groupe d'Américains de l'autre côté de cette porte. Ou alors, ils pourraient bien avoir investi les couloirs du tunnel. Qu'est-ce qui va se passer pour nous, une fois que le feu aura pris? T'en fais pas, on sera plus là. On a d'autres chats à fouetter. Ils arrivent par là.
Vous avez entendu ça? Ouais. Oh, merde. C'est un plan de l'ennemi. Ils veulent nous faire paniquer, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on fasse péter la porte de derrière. Une fois à l'extérieur, ils pourront pas retrouver nos traces. Enfin, on n'a pas une seule chance. Écoute, si tu veux crever ici tout seul, c'est tes oignons, pas les miens. Au revoir. Ça venait de par là-bas. Donc maintenant, ils peuvent entrer des deux côtés. Cette fois, ça y est. Attention. Si tu veux un bon conseil, tire dès que ça bouge. J'y vais. Tout de suite. C'est à toi, je te couvre. Mais je... Cette fois, ça y est, ils arrivent de tous les côtés. On pourra pas s'en sortir. J'ai aucune munition. Toi, la ferme! J'ai pu voir tout ça. J'ai pas envie de me faire buter. Y'a au moins quelque chose à faire. Rentre, reviens! Ça suffit! On veut tous se rendre. Ne tirez pas. Vous êtes là? Je suis là. Schenk, Dieu soit loué. Est-ce que tu as trouvé un moyen de sortir? Non, personne ne part. Ni les Américains, ni aucun de nous cinq. Ça veut dire? C'est très clair. Krupp s'est fait tuer, tout comme Ebert et Kreuzmann. Étant donné qu'il n'y avait personne pour le remplacer, j'assure le commandement. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vous n'étiez pas au point de rendez-vous, voilà ce qui s'est passé. Vas-y, mollo, Schenk. Peu importe où tu te trouvais, Bowman, mais c'était la dernière fois que tu t'y planquais. Tiens, regarde. C'est à cause de mecs dans son genre qu'on va perdre cette foutue guerre. Ils arrivent droit sur nous, qu'est-ce qu'on fout à discuter? Les troupes sont obligées de battre en retraite à cause des poules mouillées qui fuient avec la peur au ventre. On fuit parce qu'on n'a plus d'armes pour se défendre. Allez, Schenk, où est la sortie? Ne t'en fais pas à propos des Américains. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Comme il faut régler chaque chose en son temps, commençons par punir les traîtres. Surtout, n'écoute pas. Il ne sait plus ce qu'il dit. Tiens-toi prêt, c'est à toi de jouer. Ces lâches ne méritent pas de porter notre uniforme. Prouve-moi que tu en es digne. Tu vas te manier, t'attends quoi? J'en sais rien. Arrête, n'écoute pas! Ce sont des traîtres et des trouillards! Tu dois les abattre! Non, j'y arriverai jamais! C'est aussi simple que ça! Attends tout maintenant. Thank you.
C'est pas ça qui va le retenir. Il faut qu'on court. On est bloqué pour de bon. Non, il doit y avoir un moyen de sortir. Mais on n'y voit que dalle. Attendez. Chier. Pose ton arme à terre, Shenker. Thank you.
Est-ce que ça va? Tu agiteras ça. N'essaie pas de te cacher. Va tout droit. Prends soin de toi. Tu viens pas? Je doute de pouvoir m'en sortir, tu sais. Mais toi, tu as le droit à une seconde chance, alors fais ce que je te dis. Tu dois y aller. Allez, fous le camp! Tiens-toi! Ora mortis nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus.